7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Yop les amis, c'est Bleach. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des temps sur FIFA 16 pour l'épisode 3 de la saison en ligne 1v5. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai pris la France. La France pourquoi? Parce que nous sommes en semaine de match international. Donc du coup j'ai décidé de prendre la France, voilà, pour symboliser cette semaine. Donc oui, comme vous pouvez le savoir, je m'affouille un petit peu. Donc vous pouvez le savoir, vendredi il y a France-Pays-Bas en match amical. Donc du coup voilà, j'ai décidé de prendre la France, c'était le moment. Et puis comme c'est bientôt l'Euro aussi, ne pas oublier que cet été il y a l'Euro 2016. En espérant bien évidemment que tout se passe bien, je ne vais pas porter la poisse. Mais tout ce qui se passe, toutes ces choses horribles qui se passent en ce moment, j'espère que ça se passera bien, voilà. Faites l'amour et pas la guerre les amis, s'il vous plaît. Donc voilà, donc j'ai assez parlé. Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode 3. Oui, épisode 3 de la saison. Donc je crois que je suis à un match de la montée. Il faut que je gagne ce match et je monte en prochaine division. Donc on va essayer de gagner ce match. Parce que dans la précédente vidéo, ça m'est pas trop réussi tous les matchs qu'on avait fait. Donc du coup là je vais essayer de me rattraper et de gagner ce match tout simplement. Voilà, donc déjà je me prends un petit peu la pression qu'en plus je joue contre le Brésil. Voilà, une très bonne équipe, j'avais fait une vidéo avec le Brésil et ça m'avait plutôt bien réussi. Donc là j'ai pris la France, on va voir ce que ça donne. Donc devant, je vous ai pas fait voir mon équipe, mais devant j'ai fait jouer la jeunesse. Il y a Martial, le petit Coman et Griezmann qui sont devant. Oh oh, et but. Et oui les gars, ça commence bien, vive la France. Donc petit but de Matuidi. Oh yeah, bien joué mon grand. Petite tête en plus, nickel. Voilà. Regardez-moi ça, s'il est ce ralenti. Regardez-moi cette petite tête magnifique. On peut dire, wow, magnifique peut-être pas, mais bon, c'est bien, il a bien sauté bien haut, il s'est bien défoncé, et ça j'aime bien. Allez, c'est parti, 1-0, ça commence bien cette vidéo. C'est perfecto. Alors, on va essayer de récupérer. Oh non! Putain! Je me suis loupé. Allez. Bien joué, Evra. Bien joué, Pat. Patouné. Ou Coman. Allez, vite. On fonce, on fonce. Kingsley, Kingsley. Non, je me suis loupé. Dommage. On s'approche des buts. Kingsley comment? Olé. Ah, donc comme d'habitude, on va faire deux matchs. Hein. Comme d'habitude. Allez, on va essayer de. Ah non, vous avez vu ce sauvetage incroyable qu'il vient de nous faire, mec? C'était magnifique. Ouh putain, j'y ai cru, mais non, en fait, c'est carrément à côté, c'est carrément cool. Putain, il nous a fait un sauvetage magnifique en mode Kung Fu Panda. Ah, la référence que je viens de sortir, c'est chaud. Non, non, non. Ouh putain, j'ai cru qu'il était dedans. Il y a un effet d'optique, j'ai cru qu'il est mis dedans. Allez, mets ta tête, non même pas. Pas mettre sa tête décidément. Mais il faut pas que je perde, ça serait bien si la saison serait bouclée maintenant. Allez, bien joué. Griezmann. Eh hey, le petit Antoine. Non, non. Eh hey. On revient pas à la faute, non? Bon bah d'accord, c'est trop tard apparemment pour revenir à la faute. Gardien. Il m'a fait peur lui. Bien buté sur la défense. Eh oui, et bientôt il y a l'Euro 2016. J'ai hâte. En espérant que tout se passe bien, je me répète encore une fois. C'est vrai qu'avec
Les choses tragiques qui se sont passées ces derniers jours, c'est vrai que ça fait peur. Antoine Griezmann. Voilà, surtout qu'en plus, pendant l'Euro, ils ouvrent les fan zones. Patrice Pour ceux qui Evra. savent pas ce qu'est les fan zones, c'est un endroit en ville où il y a des écrans géants, des animations, des trucs comme ça. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu dangereux, mais bon, c'est Ouais, vrai la qu'après, protection. il faut pas s'arrêter à cause de cons. Luis Gustavo. Il faut pas s'arrêter de vivre, mais il faut aussi faire Ça, c'est gaffe une à la sécurité des récupération. personnes. Donc bon, on verra bien ce qui va se passer ici, ils vont fermer les fan zones ou pas. Incroyable, personne n'arrive à On l'arrêter. verra bien. Mais bon. Le défenseur est le premier sur ce ballon de la Tout ce tête. qu'on veut, c'est que tout se passe bien, Matuidi, dans la il est joie, la resté bonne dans le humeur, plongeon du gardien dans avec cette le action. sport, le football. Coup de pied court. Voilà. Bon, on va reprendre le match. On va Ouais, reparler un peu de encore. choses un peu plus gaies, on va dire. Faut pas oublier. Mais bon, faut changer les idées un petit peu. Oh non, mais il est tout seul. Luis Allez! Gustavo. Allez, gardien! Mais non! Oh là là, le cafouillage! Putain, j'ai failli me prendre un but raccro, comme on appelle ça. Allez, Et le vite. ballon qui reste sur l'aile, bien joué. Hop là. Paul Pogba. Allez, Polo, bien joué! Ah non! J'ai cru au petit pont, mais même pas. Bien dommage. Coutinho. C'est la Non, Sagnata bah qui non, bah récupère ce impose-toi, ballon. hein, mon gars. Et puis surtout, j'espère que la France gagnera l'Euro 2016 aussi. Ça serait formidable. Rebondissement du défenseur sur Je cette sais pas ce que vous en pensez. interception. Bah, si vous êtes pour la France, bien sûr. Il y a peut-être des Et maintenant Italiens, Kaka. des Ouais, la volée, la Portugais. frappe. Je ne Non, sais Pinot pas dans mes sur cette abonnés. action. Donc Ouais, voilà, c'est dommage après, de pêcher dites-moi comme ça qui derrière vous les gestes. supportez. Et les Qui hommes vous qui ont pris supporterez l'avantage. pendant cet Euro Et grâce à ce 2016, but que pour nous les fans de concédons, foot, mais même on pour est les dans la non-fans de surface pour foot, prendre hein, un rang sur la l'Euro tête 2016, ça et peut accompli le rassembler gardien des côté personnes droit. qui ne regardent pas le foot. Donc là, n'hésitez pas à me dire qui vous supporterez C'est pendant une cet attaque Euro brésilienne. 2016 cet été. Moi, ça sera la France, mon pays tout simplement. Oh, Parce que je c'est suis parti français, pour le plongeon de voilà. Loris. Je n'ai pas d'origine Et on va jouer particulière, je contre suis un Français à corner. 100%. Mais bon, c'est vrai que j'ai aussi, pendant l'Euro aussi, j'ai une petite préférence pour la Suède aussi. Et la Suède, vous allez me dire pourquoi la Suède? Parce que dedans, il y a un de mes joueurs préférés, qui est Zlatan Ibrahimovic. Voilà, pour certains, ils ne l'aiment pas du tout. Bon, c'est vrai qu'il est un peu spécial, mais bon, moi c'est ce que On va j'aime, pouvoir c'est son relancer maintenant, caractère, c'est sa façon de parfaitement parler. fait. Marcelo, Donc c'est Marcelo. vrai que Zlatan, je l'apprécie pas plus particulièrement, en plus ça tombe bien, il a réussi à se qualifier pour l'Euro 2016, donc du coup je vais regarder. Enfin je vais suivre la Suède un petit peu. Voilà, c'est juste pour ça moi, Alors, vraiment l'attaquant juste se pour met ça, dans parce ce qu'après les match. autres joueurs de la Nous sommes Suède, menés voilà, ils 1-0. sont pas top top, j'en connais quelques-uns mais ils sont pas top top. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu mon équipe, tiens, c'est l'occasion de regarder un petit peu mon équipe, vous pouvez voir un jeu, les joueurs que j'ai mis en place. Voilà, donc 4-3-3 avec les trois petits jeunes devant. Après au milieu, il y a un peu plus d'expérience pour Diarra, Matuidi, le petit jeune Pogba, Evra à gauche, Koscielny, Varane, Sagna et Loris gardien. Voilà, vous avez pu un peu voir mon équipe. Et dans un Voilà, instant, on sur le va banc, pouvoir j'ai rejoindre laissé la tout ce seconde qui est période avec l'équipe de Giroud, France. Même qui j'ai mis score. sur le banc, Mangala, plein d'autres joueurs encore, je Pogba. pourrais pas toutes les citer de tête comme ça. Matuidi. Kingsley Coman. C'est dommage parce que juste avant, en plus j'avais, comme par hasard, j'avais fait le match de vendredi, Neymar. le match que la France joue vendredi contre les Pays-Bas, mais parce qu'en fait je Passe voulais faire un parfaite. test de l'équipe. Anthony Et Martial. c'est dommage, je suis pas retombé dessus, ça aurait fait une belle coïncidence. Allez, mon petit Ce Loris, ballon qui récupère le file ballon. jusqu'au gardien. Mais cette Il se action passe pas grand chose rapide. dans ce match, hein. J'ai marqué, mais il se passe pas grand chose. Non, oh Et là c'est là. ballon. En plus, je suis naze. En même temps, Hulk. peut-être parce que commenter et Kaka. jouer, j'ai pas l'habitude surtout. Et Enfin. sortie de Sur but d'autres encore. jeux ça va, mais sur FIFA c'est assez compliqué de se concentrer, puis en plus j'arrête pas de blablater depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est parce que j'aime vous parler les Coutinho. amis aussi, c'est pour ça.
Allez, on récupère sans faire de faute dans la surface. Bien joué, mon petit Evra. Ah, mais regardez, j'arrive pas à aligner une passe, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a appuyé sur start. Bah là, mon petit gars, on a peur, on fait des petits changements. N'aie pas Ouais, ça sera peur. une sortie de but. Tout va bien se passer. Alors. Mais il a fait rentrer William, ok. Je joue contre une équipe qui n'a rien à voir parce qu'elle ne fait pas partie de l'Europe. Donc, L'arrêt du gardien. Bonne prise de balle. La balle là-bas au fond. Allez, bien joué. Tu dis, hop là. Oui, bien joué. Bien joué. Ah, c'est. Oh non! Mais comment elle a pu mettre ça à côté, le mauvais! Ah, mais non! Martial! Mon petit Anthony, comment t'as fait? Attends, en plus, c'était une belle occasion. Enfin, au début, c'était une belle occasion. Après, c'était un contre. J'aurais marqué sur un contre, mais bon. Ça aurait été un but, quoi. C'est-à-dire que si j'aurais marqué, j'aurais validé ma montée, quoi. Parce que là, rien n'est fait encore. Récupère, bien joué. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Bon, c'était pas lui. Allez. Allez, allez, allez. Oui, bien joué. Ça, c'est beau. Voilà. Ah, doublé de Matuidi en plus. Doublé de Matuidi. Ils font un grand pas vers la montée. Voilà, nickel. Bon, j'ai passé le but, hein. Je vais pas vous le montrer. C'est pas un but exceptionnel non plus, mais c'est une belle action collective. Rapidement, ce serait bien. Elle donne carrément le ballon à l'adversaire. Oui. Diarra. Où ça passe? Ah, dommage, c'est trop fort. Le gardien qui peut s'emparer du ballon. C'est qui ce gardien? Allison, je connais pas du tout ce gamin voisin. Je sais pas ce qu'il a été chercher. Gustavo Coutinho. Allez, allez. On va essayer de lui prendre le ballon. Raphaël Varane. Elle vient lui prendre ce ballon. Lassana Diarra. Anthony Martial. Ah, dommage, j'étais en train de. Oula. Ah non! Ah putain, je lui ai fait l'amour, mec. Je lui ai fait l'amour. C'était trop simple de passer dans sa défense. Allez, s'il lève la tête, il a du soutien. Allez, on va récupérer. Non, non, maintenant. Lui aussi, il voulait garder le ballon. Hein. Bien joué. Bien Hop là. Oh là là, comment il m'a retourné le mec. Il m'a fait une prise de catch. Allez, fonce, fonce, fonce. Dommage. Ah là là, tu prends des risques, mon gars. Ah, dommage qu'il a pas récupéré. J'aurais mis une frappe directe. Ça aurait fait but. Là, on le gardien tranquillement. Ah. Les supporters sont déjà en train Allez. De faire la fête dans les tribunes. Ils savent que leur équipe n'est plus qu'à. Il a foutu là un petit peu quand même, hein? Petite poussette. Ah oui, monsieur Rabbit, un petit carton, c'est bien. C'est parfait. Bon. Bon, autant vous dire que je pense. Voilà, à part. Quelque chose de grave qui peut se passer dans la minute qui suit, mais je pense. Que pour la montée, c'est réglé. Voilà, je pense que on va monter ensemble. Dans une nouvelle division. Allez hop. J'aimerais bien récupérer rapidement. Raphaël Varane. Ah, c'est bien joué ça. Allez, fonce. Ah, le gardien, il est sorti, fumier.
Allez hop. Kingsley comment? Wouhou! Ah dommage, non, je me suis enflammé, j'étais parti en fin de frappe, je me suis carrément enflammé. Oh c'est pas grave. Allez hop, on récupère le ballon rapidement. Oh ils sont nombreux, oh il faut pas gâcher ce ballon. Ouais, ok, le mec il m'a. Il m'a violé, hein, tout simplement. Voilà, bon, c'est pas grave. Il a raté. Ah, bah, elle est contrée, ok, d'accord, il y a corner. On va faire gaffe sur le corner quand même. Ah non, bien joué. Bien joué, bien joué. Allez hop, le contre. Ah dommage. Oh allez, c'est pas fini. Allez mon petit Kingsley Coman, allez. Regardez-moi ça. Oh non, mais comment il fait pour rater ça, le fumier. Bon, au moins, j'ai la victoire. Victoire en poche. Donc voilà, pour regarder. Montez. Ah, je peux même jouer le titre. On va jouer le titre ensemble, hein. Ça tombe bien. Allez hop. Et allez, on se retrouve pour le prochain match. Le match du titre. Donc là, ah, on joue contre l'Allemagne, une équipe européenne. Voilà, c'est un peu plus crédible. Est-ce que je veux faire... Ok, donc toi, par contre, tu vas vite te calmer, mon gars. Ok, donc le mec, il a accéléré comme un dératé devant. Super, j'adore quand ils font ça. Oh, la vieille combinaison, mon pote. Et révise ta combinaison parce que c'était bien pourri. Allez, c'est le match du titre, on se concentre, le titre on veut le ramener à la maison, on veut la ramener dans l'armoire à titre. Voilà, j'ai préparé une petite armoire à trophées. Allez Griezmann, on va ramener ce titre ensemble mon petit gars. On va mettre le titre à côté du titre de pétanque, le tournoi de pétanque. Et le titre de la meilleure merguez d'été 2015. Grillé sur barbecue à charbon. Ouais, je dis de la merde, désolé. Je dis carrément de la merde. Allez hop. Surtout qu'en plus, il faut que je me concentre. Allez. Oui. Oh, elle est belle cette tête. Bien joué, Antoine. Bien joué. Voilà. Magnifique. Regardez-moi ça. On va regarder cette petite tête ensemble. Magnifique centre. Tête magnifique au-dessus du gardien. Parfait. Rien à dire. Allez hop, on attaque direct. Oh, le mec, je l'ai pas laissé respirer. Directement une attaque. Avec le petit Coman. La rapidité. La tête. Ah, dommage. Hop là, petite fin de frappe. Olé. Oh là là. Oh, dommage, j'y ai cru. Oh. Ça aurait été de toute beauté. De toute beauté. Ah non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais ça aurait été beau. Ah non. J'ai voulu trop en faire, j'aurais dû centrer directement. Oula, c'est un peu fort. Mais non. L'autre con, il était à côté. Du coup. Allez. Mais non. Vous emmenez pas les pinceaux, les mecs. Bien joué. Ah merde, j'étais en train de regarder le joueur du haut là. Putain, qui se met en place, il s'est jamais mis en place. Du coup, bah, j'ai pas vu Plot m'attaquer. C'est pas grave. Allez, gardien. Voilà, nickel. Ah! Dégation sur cette interception. Il est là pour récupérer ce ballon.
Ah non, ah dommage, dommage le contrôle. Faut tester l'arbitre, que va-t-il décider? Allez, fais ton coup franc. Désolé si je parle pas trop trop là, je me concentre. Voilà, c'est le match du titre, c'est important. J'aimerais bien avoir gagné ce titre. Enfin, c'est une bonne note parce que c'était pas non plus une saison incroyable en termes de match. Donc, ça serait bien de finir sur une bonne note. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, j'ai envie de bien finir. Wow! Tu vas te calmer, toi. Et Antoine. Ouais, ça tourne magnifiquement bien en ce moment. Oh là là. Je veux trop en faire, je sais pas, j'ai envie de rentrer dans le but avec le ballon, je sais pas. Mais... Il a du soutien. Et voilà, allez, hop, bien joué Varane. Kingsley comment? Non, 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 non. Bien joué. Voilà, frappe. Ouh, dommage, c'était une belle frappe. Dommage pour toi, mon petit gars, c'était une jolie frappe. Mais elle est pas dedans, la frappe. Elles sont à la lutte. Allez, hop. Contrôle. Anthony Martial. Ah, c'était pas trop à lui, mais non, c'est pas. Ah, je suis hors jeu en plus. Ouais, en plus, c'était pas à lui, je voulais la faire au début. Il y avait un joueur au centre qui commençait à bien se démarquer, c'est dommage. Le ballon qui va changer de possession. Qu'est-ce que je peux dire, c'est dommage. J'ai dit au moins 30 fois. Kingsley comment? Anthony Martial. Allez hop, ça joue bien entre les petits jeunes là. Il a vu qu'il n'était pas tout seul. Regardez-moi ça. Ah dommage. Qui nous sort un arrêt de grande classe. À chaque fois les mecs ils sont en panique en défense. Allez, 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 allez. Mais genre je fais faute là-dessus mon gars. Mais t'es une brindille mon pote toi. En plus il me met un carton. Mais je rêve. Le mec je l'ai à peine touché quoi. Faire de la danse mon pote hein. Allez, allez mon petit Blaisou. Mon double buteur de tout à l'heure. Ah merde, ça me gratte l'oreille. Ne me déconcentre pas mon oreille, s'il te plaît. Ah putain, merde, faut que je fasse gaffe, il y a un carton. Commissif pour rien. Allez Raphaël, bien joué. Putain, tu passes pas Raphaël, il est physique hein. Allez Blaisou, Blaisou. Anthony Martial. Ah non. Non, non. Ça passe pas, ça passe pas. Ah, de face, j'ai un peu plus de mal à passer que sur le côté quand je repique dans l'axe. Chaque fois quand je repique dans l'axe, ça passe super bien. Ça marche nickel. Allez, 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 allez. Non? Si? Non? D'accord. Ouf, mi-temps. Bon, on va voir un peu les stats. Donc un but, oui. 5 tirs, 2 cadrés, 55% de possession. C'est pas mal. Contre lui, 45%, un tir cadré, enfin un tir cadré sur 3 tirs, d'accord. Oui, donc pour l'instant le score est logique, on peut dire. Par contre, Coman, il a un carton. Est-ce que je le sors? J'ai peur qu'il se prenne un autre carton. Bah, je vais mettre Ben Arfa. Voilà, je vais faire jouer un petit peu le petit Ben Arfa. Comme j'ai dans l'effectif, ouais, on va en profiter. Alors qu'en plus, pour les matchs qui arrivent là contre les Pays-Bas, il n'est pas sélectionné en plus. C'est bien dommage parce qu'il a un bon niveau en ce moment. Mais bon, c'est pas moi le coach, hein. Sinon, moi j'aurais pris personnellement.
début de la seconde période dans ce Olympia Stadion. Et hop, allez, justement, hop, Ben Arfa. Normalement, il doit être technique. Evra. Allez, Patrice. Et le ballon qui va à la surface. Elle est contrée. C'est ballot, ça. Oui, il l'a trouvé. Ouh là là. Il est chaud, Mathieu, dit. Oh non. Oh, mais comment tu as pu me vendanger ça, mon gars? Je sais que t'es pas droitier, mais quand même, il y a des limites. Oh là là. Quand tu veux, hein. N'hésite pas, hein. T'es pas pressé. Je suis en train de tourner une vidéo, mais bon. Bien joué. Là, ça va dire à la lutte pour le ballon. J'aimerais que tu parles, Ben Arfa. Diarra. Non, bah non, il veut pas. Bon, ça va être Martial, du coup. Ah là 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 là. Ah, y'a faute là, non? Penalty là, une petite poussée dans la surface, monsieur l'arbitre. Il faut se réveiller un petit peu, faut ouvrir ses yeux, hein. Les Allemands à l'attaque. Oh, le physique de Varane, je kiffe, je kiffe. Ouais, bonne prestation de ce joueur dans cette première période. Ah, je me suis fail, j'ai voulu faire un geste technique, mais je me suis loupé, mon joystick. C'est marquant de cette première période. Raphaël Varane. Patrice Evra. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. De ce ballon. Kevin Volland. Thomas Müller. Patrice Evra, ouais, qui s'interpose sur ce tacle. Allez, allez, allez. Normalement, t'es plus rapide que. Martial. Oh oui, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi ça. Je vais vous laisser le ralenti, la petite feinte de frappe. Le petit extérieur, petit filet, impeccable. Alors, est-ce que je peux vous montrer la frappe? Regardez-moi ça. Bien sûr, Martial, la vitesse. Voilà. Bon, la fin de frappe, elle est un peu déstabilisée, mais on sait pas ce qui a tout fait. Bah alors, me dis pas que tu vas quitter, mon gars, quand même. Ne me fais pas ça. Fais des changements, mais ne quitte pas le match, surtout. Pour une fois que je fais des beaux matchs. Allez, 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 mon gars, fais ton changement. Fais ton changement, parce que je gagne. Bah alors, le petit Allemand se fait pipi dessus, hein? T'es long, hein? Bon, allez, de toute façon, le compte à rebours est épuisé. Avec lui, ça paraît tout naturel. Ok, donc là, il va attaquer direct. Allez, on essaie de lui mettre un 3-0. Il va quitter le match, non? Je lui mets 3-0, je pense qu'il quitte le match. Oh, genre, mon joueur est blessé, mais qu'est-ce qu'il a? La passe est mal ajustée et bon, récupère apparemment, ballon ça facile. Va mieux, parce qu'il a pas de truc au-dessus de lui. Allez, ah! Bien capté. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Oh là là, je me répète encore, mais Varane, je le kiffe. En FIFA, il est énorme. Lassana Diarra. Ah, ouais, c'est vrai que Lassana Diarra, niveau niveau contact, il est pas très rapide. Antoine Griezmann. Hop là. Ah, j'ai essayé de refaire un geste technique, mais je pense que c'était le geste technique de trop. Regardez-moi cette puissance. Mathieu dit. Non, Mathieu dit non. Bon, d'accord. Kevin Volland. Ouais, ça peut peut-être aller au bout. Thomas Müller. Bien négocié. Ça va. T'es dégoûté, mon pote. Y'a rien qui passe chez toi. Oh, le salaud. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra à parler trop vite. On va mieux apprécier ce bon, c'est pas grave. Ralenti. Bien joué. Il met la tête. Mais hop. Ah, j'ai cru. Il cherche Thomas Müller par-dessus. Oh, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Allez, Polo. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous par terre? Kevin Volland.
Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Ah, contrairement à Koscielnik, voilà, je trouve pas terrible hein, du tout. Hein. Anthony Martial. Allez. Yes, il faudrait que j'arrive à centrer. Qu'est-ce que je fais? Je passe? Non, non, j'aurais dû centrer. Oula! Ah non, mais fais une passe tout de suite, Blich. Là tu dis. Allez. Ah, dommage. J'aurais pu leur faire en retrait. Ça aurait pu faire quelque chose de bien. Malheureusement, je n'ai point réussi. La Sana Diarra. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. C'est précis, cette passe, dommage. Allez, Antoine. Et ce petit but d'avance qui vaut de l'or, Franck. Il leur permet tout simplement d'être mathématiquement champion. C'est aussi simple que ça. Récupère ce ballon dans l'entrejeu. Je sais pas pour qui il y avait faute. Non, c'était pas pour lui que je voulais la faire, c'était pour Ben Arfa tout en haut à gauche. Très vigilant sur cette action. Allez. Oh, ils sont nombreux. Oh, il faut pas gâcher ce ballon. Ouh, il y a faute là. Non, toujours pas faute. Attends, dire qu'il a joué le ballon à fond quand même le mec. Dans ces 5 dernières minutes, il n'y a qu'un but d'écart après tout. Attention à cette perte de balle au milieu. Paul Pogba. Ouh, le petit pont. Oh. Je me disais qu'est-ce qu'il fait le type, il oublie le ballon, mais non en fait il rage. C'est pas grave. Allez, 87ème, il faut pas que je me prenne un but. Il ne faut pas qu'ils égalisent. Ça n'ira pas plus loin. Là tu dis. Est-ce que je vais gagner le titre? Suspense. Oui, ça c'est beau, ça joue en équipe, en retrait, voilà. Bien joué Blaisou. Et voilà, 3-1, je suis chaud patate aujourd'hui dans cette vidéo. Et ça, c'est formidable. Voilà, donc je pense que là le titre, c'est dans la poche, il reste 90 plus 2. Je pense que c'est dans la poche. Il est à la récupération au milieu de terrain. Et donc le titre, une montée et voilà, victoire. Vive la France. Regardez-moi ça, scène de joie sur le stade. Et oui. Donc voilà. Bon bah nous on va s'arrêter sur ces belles images de joie, de victoire, d'émotion, d'amour. Et oui les amis. Donc, si cette vidéo vous a plu sur FIFA, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer la vidéo si ça vous a plu aussi, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas les amis, faites l'amour et pas la guerre. Je vous aime. Ciao, bye bye.